À Londres, les abords de Westminster totalement bouclés. Vers 7h30 ce matin, une voiture a foncé dans des barrières de sécurité autour du Parlement britannique et percuté des passants. Il y a plusieurs blessés, mais aucun n'est en urgence absolue selon la police antiterroriste à qui l'enquête a été confiée. Le conducteur, un homme âgé d'entre 25 et 30 ans, a été arrêté immédiatement après la collision. Aucune arme n'a été retrouvée à bord de son véhicule. La station de métro de Westminster a été fermée et un cordon de sécurité a été mis en place. Dans ce même quartier de la capitale britannique, une attaque revendiquée par l'État islamique avait fait 6 morts en mars 2017.